Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau chapitre de cette Leaky Moly Star League. Nous sommes au gymnase Auguste Delaune pour cette 23e journée avec Ivry, l'US Ivry, qui va recevoir une équipe de Chambéry. C'est parti pour cette rencontre de la 23e journée de Leaky Moly Star League ici à Delaune entre Ivry 13e et Chambéry 8e. Zemfel, Emeric Zemfel. À l'intérieur, superbe service d'Emeric Zemfel. La rentrée d'Antoine Tissot, Scoubé, Costoya, ah, superbe. Jorgensen, Zemfel, Allel, ouais, bien joué. Allez, le ballon qui arrive finalement, c'était poussif, mais il arrive. Scoubé, Costoya, Sébastien Scoubé. Ouais, bien joué. Avec ce service impeccable de Léo Martinez. Jorgensen, le renversement, c'est encore très latéral tout ça. Le bras des arbitres est levé. Emeric Zemfel qui a retardé le plus longtemps possible la fin de son extension, qui a contourné le mur chambérien. Lucas Petit. Scoubé. Ah, bien joué. Le score est assez révélateur. Hein. Les deux équipes qui se valent, qui sont aussi efficaces à la finition. En défense, qui ont quelques petites failles. Avec ce 13-11, on a le plus gros écart de la partie pour l'instant. Avec Léo Martinez, Emeric Zemfel, Jorgensen, Jesper Jorgensen. Avec Loré, donc, n'a pas pu se retourner. Garin, Dylan Garin avec Emeric Zemfel. Les appuis d'Emeric Zemfel. Qu'est-ce que ça va vite. De plus 4 convertis. C'est une balle de moins 2 pour les Chambériens avec Johnson. Maximilian Johnson, le Suédois. Allez, on va mettre un temps fort. Jorgensen. Non. Ouais, c'est assez étrange hein, la manière dont a été négocié ce dernier ballon. C'est reparti pour cette deuxième mi-temps. Johnson. Costoya, Alejandro Costoya, telle qu'elle se présente du côté d'Ivry. Les qualités de Lucas Vanegg s'avèrent très précieuses. Bonne défense des Chambériens avec ce ballon monté à la vitesse de l'éclair et le Chabala clinique. Si Antoine Tissot remporte son duel face à David Bernard, oui, ça passe juste au-dessus des mains du gardien ivrien. Rodriguez avec le retour de Scoubé. Oh, superbe! Superbe, il nous fait tout! Zemfel avec Dylan Garin. Dylan Garin! Et il n'est pas improbable de voir les deux équipes se quitter sur un score de parité. Zemfel avec Loredon. Jorgensen, on a bien travaillé. Allel avec cette remarquable finition de Lucas Petit. Et donc, si Chambéry fait un bon résultat ici à Delaune, ce qui est encore probable, surtout si égalisation il y a. Non, parce qu'il va y avoir un David Bernard qui dit non, tout simplement. On y revient, on risque de se répéter, mais le scénario est ainsi fait. Ivry ne parvient pas à capitaliser sur les interventions de son gardien. Et là, une balle de possession pour les Chambériens. Lucas Vanegg. Scoubé, le demi-tour contact, il est passé cette fois-ci. Il y a un quart de zone pour Kédo Traoré. Et voilà le plus 2. Chambéry est obligé de s'imposer pour rester dans le sillage des équipes voulant accrocher le dernier strapontin européen. Et avec Sébastien Scoubé. Jorgensen, Garin. Allez, Dylan Garin. Il reste 20 secondes maintenant. 20 secondes avec Zemfel, Emeric Zemfel. Pour Jorgensen, il est passé Jorgensen. Oh, le deuxième but consécutif du Danois, il est très important. Le changement d'appui pour éliminer Kédo Traoré et battre Filip Ivić. Allez, une dernière possibilité, la lucarne. Alors là, il va y avoir un petit peu d'atermoiement. Est-ce que le ballon a quitté la main d'Antoine Tissot avant que le gong ne retentisse? Eh bien voilà, on remet un petit peu l'église au milieu du village. Il reste 10 secondes. Balle dans les mains des Chambériens pour égaliser. Allez, c'est reparti avec Gustavo Rodriguez. Lucas Vanegg, Rodriguez encore. Vanegg par en dessous. C'est entre les jambes
L'égalisation à 30 partout et le buzzer qui va retentir. 30 partout, égalité